Au pays des bêtises, le volley-ball est devenu roi. Cambrai en demi-finale du championnat de France, presque une anomalie, un exploit. C'est vrai qu'on a un peu la surprise cette saison. Et du coup, on aborde ça un peu avec sérieux, mais pour prendre du plaisir aussi. Un coup de projecteur pour Cambrai, devenu une des places fortes du volley français. Dans le centre-ville, les encouragements fleurissent. Une satisfaction pour le président du club. Et c'est pas fini, parce que ce qui est vraiment très incroyable, c'est de battre Cannes. Non pas pour battre Cannes, mais c'est pour être vice-champion de France et européen. Un truc de dingue. Aujourd'hui, il n'y a plus de qualificatif, quoi. On a utilisé tous les mots, extraordinaire, époustouflant, magique, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, fabuleux. Et aujourd'hui, on est dans les 4 meilleures équipes françaises, avec le plus petit budget aussi à ce niveau-là. Première saison dans l'élite avec une belle 6e place au classement. Et déjà 2 victoires contre Cannes, l'adversaire de Cambrai, en demi-finale. On a construit un groupe depuis le début à qui on a dit qu'il faut absolument être très très solide parce que le maintien va être compliqué. Et on l'a tellement répété que l'équipe est devenue tellement solide que voilà, on en est là aujourd'hui. Le club prévoit d'ouvrir un centre de formation, preuve qu'il souhaite poursuivre son ascension. Il ne faut pas oublier qu'ils ont évolué en Ligue B depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc là, c'est la récompense d'un travail qui est fourni depuis quasiment 20 ans de part des bénévoles. Face à Cannes, Cambrai devra faire de son insouciance une force. Car dans ce jeune club, l'histoire s'écrit au présent.